ce soir, c'est donc un stream particulier, puisque ça va être le stream en fait de mon mariage avec Karazu, pas le vrai, non, celui sur FF. Non, toi tu es le vrai Karazu, mais c'est pas le vrai mariage. Donc là, vous noterez que bon, j'ai pas encore mis la robe de mariée, hein. Et je suis en train de me rendre à la chapelle où tout le monde m'attend parce que je suis la dernière arrivée malgré le fait que je sois la mariée parce que j'ai pris le temps de refaire une coiffure et tout ça. Je suis un peu stressée. Oui, c'est un mariage sur un jeu, mais c'est pas grave, on s'en fout, je suis stressée. Parce que nous avons quand même pas mal d'invités. Bon, vous verrez beaucoup de discussions en anglais parce qu'en l'occurrence, ben, on est dans une guilde anglaise. Bon, il y a des gens qui parlent français aussi dans la guilde, mais on parle majoritairement en anglais donc du coup. Et la majorité de nos amis sur le jeu sont anglais. Donc, à part moi qui parle français au micro, vous verrez surtout de l'anglais. Ça y est, j'arrive. Je sais pas pourquoi je suis montée sur cette monture-là, parce que ça fait pas vraiment monture de mariage, mais c'est pas grave. Ah, j'espère que j'ai pas besoin de mettre ma robe de mariée avant de rentrer. Voilà, je suis là! Youhou! Qui n'a pas d'invitation? Oui, bah, je suis là. Moi, je ne montrerai pas maintenant tant que je ne serai pas dedans. Donc, on entre dans la chapelle pour la cérémonie, ça? Ok. C'est dommage que Tolbain ne puisse pas venir. Oui, blablabla, oui, je veux rentrer. C'est qui est déguisé en Mog? C'est quand même pas MacGyver. Oh non. Ah voilà, ça y est. Donc j'ai. Oh putain. Mon voile a grandi, mais. Tu verrais mon voile, il a grandi de 3 km, quoi. Alors, donc oui, vous allez voir que j'ai plein de petites parties. J'ai même j'ai les chaussures, j'ai la jarretière, j'ai tout, hein. J'ai tous les trucs. Alors, ça, je n'ai pas besoin de le retirer. Ça, je vais le retirer. Ça, je vais le garder parce que ça rentre bien. Et ça, c'est pas grave, on le voit pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu disais? Sur le bouquin. Validation des choix, ok. De toute façon, on a les mêmes. Donc. Ok, je crois que je suis jolie. Alors, je vais faire ça pour que tout le monde sur le stream puisse voir. Voilà. Ça, c'est moi. Mais de toute façon, vous verrez pendant les cinématiques, hein. Mais comme ça, vous voyez. Je me suis emmerdée parce que la couleur est une couleur achetable, mais je voulais absolument cette couleur-là sur ma robe depuis le début où j'ai pensé à faire le mariage. Une cloche. Je n'ai pas de cloche. Ouais. Objet clé? Ok. Ah oui, effectivement. Ce qui est fun, c'est que on n'est pas dans la même antichambre. Mais je vois quand même ton. Ok, utilisé.
Je crois pas qu'il puisse lire nos commentaires, hein. Si? T'es sûr? Moi, je vois pas ce qu'ils disent. Je peux? Non, je veux pas venir. Quoi? Je veux plus venir, j'ai changé d'avis. Ok, c'est parti. Donc oui, pour l'arrivée, on avait deux choix. On avait le choix entre arriver en marchant et arriver dans une espèce de calèche qui descend du plafond. On a préféré arriver en marchant, hein. Je sais pas d'où venait la... Waouh. Je suis quand même plus jolie que toi. Hein. Et attends, regarde, j'ai revu mon maquillage et tout. Et t'as vu la longueur de mon voile? Donc vous noterez aussi que les décorations dans les mariages sur Final Fantasy, c'est vous qui les choisissez. Donc on a choisi la couleur des fleurs en l'occurrence. On a choisi la couleur du... tapis. On a choisi la musique. Qu'est-ce qu'on a choisi d'autre encore? J'ai oublié. On a choisi. Ah oui, on a choisi qui allait officier parce que selon qui officie, on a le droit à différentes scènes de couple. Donc je ne vous dirai pas laquelle, hein, vous verrez bien. Donc je m'excuse de ne pas parler sur le chat, si tu peux communiquer ça chérie, c'est parce que vu que je vais pas mettre le chat en plein milieu de la cinématique. Ouais, on a quand même du monde! Oh là là! Oh, je suis stressée. Non, ça va, ils se sont tous mis du même côté. Youh! Genre, t'as besoin de motivation? C'est pas des lunettes, c'est un tatouage.
On est en train de faire pleurer tout le monde. On est en train de faire pleurer tout le monde. Non, t'es pas encore assez prêt là. C'est bien, faut être collé pour ça. Où est mon émote? Alors, maintenant qu'on a fait pleurer tout le monde, comment on lance la suite? Flamme est tellement en retard, mais je crois qu'elle peut plus rentrer maintenant que c'est lancé. Alors, comment on fait? La cloche? Quelle cloche? Ah, toujours celle. Oui, pardon. Décidément. J'ai du mal avec cette cloche, hein. Attends, je la porte au moins ma bague? Ah, mais non, c'est vrai, c'est eux qui l'ont. C'est vrai. Ils nous ont piqué nos bagues, c'est vrai. Bah oui, on a fait appel à la même connaissance pour préparer l'anneau. En fait, là, le mug, il est en train de dire qu'on est des flemmards. Ah, mon anneau est plus magnifique que le tien, t'as vu? Attends, sauve erreur. Tu vois, regarde, on a nos deux déesses au-dessus. Ça, c'est la mienne, ça, c'est la tienne. Là? Juste au-dessus de nous. Donc voilà, nous avons choisi le mug choriste en tant que comment on dit? Chef de la cérémonie? Dirigeur de la cérémonie? Parce qu'en fait, avec le mug, on a droit à s'embrasser. Ce qui n'est pas le cas dans les deux autres cinématiques possibles. C'est-à-dire qu'il y a une cinématique où vous signez bêtement un papier et puis voilà, vous êtes content. Hein, comme le registre à la mairie. Et l'autre, je sais même plus ce que ça fait. La coupe? Ah oui, c'est vrai, on partage une coupe de... Ouais, pour boire. Donc ouais, très romantique aussi pour un mariage. Ouais, le Saint Graal. Donc nous, on a choisi de faire ça. T'as pas retiré tes anneaux, chérie? Bah oui, mais théoriquement, là, on verra peut-être pas. Ah, ça va alors. Si t'as retiré celui de la main qu'il faut, c'est bon. Mais donc voilà, nous avons choisi celle où on va pouvoir s'embrasser, nous. Ah tiens, elle est bleue, mon anneau. Chouette, il est assorti à ma robe. Donc oui, je fais cette réflexion-là parce que la dernière fois qu'on a vu un mariage, en fait, il était blanc l'anneau. Donc... Contente, mon anneau n'est pas bleu.
Tu fais tellement une blank face, toi, sur la cinématique, c'est dingue. Moi, je souris, tout mignon, tout ça, et toi, bon, bah, tu me la mets, cette bague. Putain, elles sont grosses quand même, ces bagues. Ah, ça y est, tu souris, enfin! En fait, t'attendais juste la bague. Pour ceux qui se rappellent d'ailleurs des FF, ça c'est le signe quand même des Cid, hein, dans FF8. Donc voilà, nous avons fait le signe des Cid pour notre mariage quand même, hein. C'est quand même classe. Ouais, ils sont où nos invités sur la cinématique? Je sais pas, moi je le vois pas. Oh, tu souris! Oh, moi aussi. J'ai l'air stupide quand je souris. Je dis ça, mais mon personnage n'est pas fait pour sourire. Hein. Ah oui, ça vous noterez, ça, Square Enix a fait ça pour compenser la taille, parce que vu que les Lalafell peuvent se marier avec des Rogadines, par exemple, donc les plus petits du jeu et les plus grands du jeu, fallait bien un moyen pour que les époux puissent se retrouver à la même taille. Donc du coup, on a le droit de voler. Puis c'est pas si une si mauvaise idée pour Karazu et moi-même, parce que effectivement, j'ai au moins deux têtes de moins que lui en vrai. Regardez la longueur de ses jambes à côté des miennes. Ils sont trop mignons! Donc, oui, les Lalafell dont je vous parlais, c'est ces les petits trucs là. Ross là, Millie et Rosie sont des Lalafell. Comme vous voyez, c'est très petit. Je crois pas qu'on ait de Rogaline. Ah, une de Rand. Sérieux? God. Donc lui, le thème que vous entendez, c'est le thème d'Illivron. Celui-là, c'est Kara qui l'a choisi. En fait, Illivron dans le jeu est un gentleman détective. La première fois que vous le rencontrez, il se prend pour un zombie. Et le reste du temps, on se demande comment il arrive à résoudre ses affaires, parce qu'il est complètement... complètement gaga. Ah non, je vais pas prendre la pose du détective, moi j'ai la pose de Nashu. Oh. Attends, elle est où madame? Pose du détective. Morning.
c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Ah, d'accord. Attends, j'ai la partie gauche, donc en fait on doit échanger de place, non? Là? Parce que je vois pas très bien. Prête? 2, 1. Ah merde. Là? Ah oui. Oh god. Moi j'aime bien le ballon. À 3 on doit le refaire? Non. La danse, je crois que tu l'as. Ouais hein. Attends, émotes. Ah elles sont mes émotes. Voilà. On tue. Chérie, faut qu'on arrive à faire le cœur et à 3 faire la danse du gentilhomme avec le cœur. Un quoi? Donc à 2 on lance le cœur et à 3 on lance la danse. Ok? Voilà! C'est purement ridicule. On a fait un cœur et on a dansé. Voilà. Donc ça, c'est la danse du gentilhomme. Voilà. Je vous présente la danse des Livron. Donc vous voyez... la danse du gentleman détective. Oh, ils sont trop mignons, les Lalafell. Oh là 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 là. Et merci à Kushan pour les félicitations. Comme tu peux voir, le mariage est assez fou. Non, c'est quand même cette danse, elle est dingue. T'as vu comment bouge mon voile pendant que je danse? Et attends, le voile est super bien animé quand ils dansent. Est-ce qu'ils ont prévu que les gens feraient la danse d'Hildebrand avec le voile de mariage? Voile, comment ça s'écrit en anglais? V-E-I-L. Avoir prévu. Avec un seul N ou deux? C'est une question qui peut se poser, t'as vu comment il bouge bien? Oh mon dieu. Tiens. Yep. Voilà, ça c'est plus classe déjà pour une mariée. Tiens.
noter aussi, quand on est une micote comme moi, donc un chat, c'est quand on danse comme ça, il y a la queue qui se redresse, c'est marrant. Bon, là, elle traverse mon voile, mais... Attends, ensuite, j'ai quoi aussi comme danse? J'ai celle-là. Ça marche aussi, mais je trouve la danse tellement ridicule. Ah, quoique, le voile est super bien animé pour cette danse aussi. T'as vu ce que ça fait quand je recule, chérie? Regarde. Je crois qu'ils ont tellement prévu qu'on fasse les danses les plus ridicules du coin. Et les claquettes. Et parce que je peux faire des claquettes. J'ai le droit. Attends. Image. Je stream, mais vu que je suis en capture de jeu, j'ai le droit de... Ah, ça, c'est la danse de mariage typique, hein. Ça, tu peux pas faire plus typique que ça, hein. Si tu sens le mariage de campagne derrière ça. Oh, God. Oh, ce screen. Et donc, pour faire partager aussi sur le Twitch, je passe le fameux screen qu'on nous a passé. Voilà. Oh, Alexandria, elle a un super look. J'adore. Qu'est-ce que je peux faire de ridicule comme ça? C'est difficile avec un seul œil. Ah voilà. Voilà. Oui. Est-ce que je peux faire un truc Ah oui, c'est... Non, je ne me balade pas à mon mariage avec des couteaux, c'est pas vrai. Ah, dommage, je peux pas faire 4 ans. Allez, range tes couteaux. Range tes couteaux. Ah, tu vois, j'ai sali la salle de mariage maintenant. Je vais des trucs tellement cons. Ouais, toi tu sors carrément ton épée de daim. Car oui, Karazu a l'épée de daim, hein. Quand même. Bon, on va lancer la dernière cinématique alors. Donc, attends. Oui, non, j'ai pas besoin de retourner là. C'est avec... ça. Ça. Ce truc-là. Voilà. Je l'ai fait. C'est parti. Bah si, le mug, tu nous déranges au milieu de nos célébrations. Faudra que je prenne ton nom. Faudra vraiment que je le fasse. Mais je crois que j'attendrai de changer de race d'abord pour ça. Ce serait bien qu'on vive longtemps et heureux. Surtout longtemps d'ailleurs. Enfin, heureux aussi, mais je veux vivre longtemps. Et c'est parti donc pour la dernière cinématique.
Nous sommes officiellement mariés femmes! Dans le jeu. Bon, cela dit, on est quand même fiancés en vrai. On a enfin nos alliances, tout ça. Et nos alliances ressemblent pas du tout à celles du jeu. Hein. Je vous assure, il n'y a pas un gros cristal de 3 km de long sur nos vraies alliances. Oh mon dieu, ça fait tellement bizarre la cinématique avec MacGyver en mock géant. C'est terrible! C'est terrible! Oh god! Oh là là! Oh, tu me souris! Oh, je te souris! Donc oui, on part en marchant. On est arrivé en marchant, donc on part en marchant. Hein? On sort en tout cas, en marchant. Une fois qu'on est dehors, on va plus marcher. Et je vous présente le chocobo de mariage. Qui, en plus d'être dans la cinématique, va nous être donné. Donc nous aurons le chocobo de mariage, qui est un des deux seuls chocobos du jeu à permettre de monter à deux dessus. Comme vous le voyez d'ailleurs sur la cinématique, on est assis à deux sur le chocobo, et ben c'est faisable. Nous avons ce superbe chocobo à notre disposition. L'autre chocobo permettant d'être à deux dessus étant un chocobo obtenable si on parraine un autre joueur et que l'autre joueur... Que l'autre joueur reste un minimum. Oh, il fait nuit! Ah, ça fait bizarre de passer de la cinématique où il fait jour à la cinématique où il fait nuit. Enfin non, c'est le coucher du soleil. Waouh, c'est joli. Regarde les couleurs du ciel, chérie. Merde, attends, j'ai du mal, je suis en train de regarder sous les jupes des filles, là. Oh, c'est adorable. Faut dire que notre mariage a réuni tout ce qu'il fallait, hein. Les déclarations romantiques au début du mariage, on a eu droit au baiser, on a eu droit à la folie des invités, et puis on a eu droit à tout le monde qui faisait les cons à la fin du mariage. Donc, ah, ça, on peut difficilement faire mieux comme mariage. Il y a eu toutes les parties d'un mariage normal. En fait, la dernière partie, ça ressemble réellement à la fin d'un vrai mariage. Tu sais, quand tout le monde a tellement bu, que ça devient totalement n'importe quoi. Et vu que j'ai vu une vingtaine de mariages dans ma vie, je vous assure, ça finit toujours comme ça. Oui, on doit aller au bout. Youhou! Tu marches? Alors attends, arrête-toi. Non, mets-toi à côté de moi. Arrête-toi à côté de moi. 1, 2, 3. Mais. C'est bon, là? Bon, non, en fait, t'es 10 km derrière moi. Mais je voulais pour le stream, je voulais que tu marches à côté de moi. Je sais. Mais c'est moi qui stream. Ah, t'es tout sauf à côté de moi pour moi. Non, non, du tout. Ah, oh, c'est vrai, je suis restée en ninja. Oh, mais la bécasse! Oui, donc oui, pour vous expliquer pourquoi je me traite de bécasse directement en stream, c'est que, en fait, dans ce jeu, il y a une classe qui marche et court plus vite que toutes les autres, c'est les ninjas. Et je suis actuellement ninja. Voilà. Oh, MacGyver!
Donc voilà, je suis restée en ninja, donc du coup je suis plus rapide que Kara. Attends, c'est à qui qu'on doit parler? Là. Oh, j'adore ce sort. Et mais t'envoles pas sans moi? Attends-moi. Attendez, d'abord, je prends mon chocobo. Voilà. Alors c'est... Ah, ça c'est le gâteau! Et les ailes angéliques. Alors, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Là, je suis en face de toi. Hein? On est en... 3, 2, 1, go! Youhou! On est trop mignon! Je suis trop petite à côté de toi. Oh oui! Attends, je monte dessus et... T'en vas pas! Voilà, je monte dessus. Oui! Je me sens comme une vraie mariée là, presque. J'étais stressée en faisant les préparations du mariage. J'ai été stressée pendant le mariage. Et maintenant, je me sens juste. Youh! J'ai l'impression que je suis en train de m'envoler. Le truc très logique, tu sais. Oh god. J'ai envie de rester dans la robe de mariée éternellement. Ça dit, tu me diras, je peux, hein. Je peux la mirager en fait. Donc oui, encore une fois, pour ceux qui regardent le stream ou qui regarderont la review du stream, en fait, mirager, ça permet de mettre une autre apparence sur notre nu. Donc c'est-à-dire que si j'ai envie de mettre ma robe de mariée sur ma tenue de ninja, par exemple, j'ai le droit. Bon, une ninja en robe de mariée, concrètement, ce serait un peu bizarre. Vous me direz, mon look de ninja est pas forcément plus... Juste pour le fun, je vais descendre du chocobo et montrer vite fait au stream mon look de ninja et mon look de... J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Alors attends, comme ça je montre mon look. Voilà. Ça, c'est mon look de ninja. Donc, je me bats à la double dague et je le fais en robe. Enfin, en jupe. J'ai voulu faire un mélange ninja pirate. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Et j'ai... Actuellement, c'est les deux seuls que je vous montrerai parce que c'est les deux seuls qui sont bien montés. Ça, c'est ma tenue de mage blanc. Alors oui, la mage blanc est très sexy.
C'est la tenue que je me suis constituée. Donc pour idée, je suis une îlose avec ça. Vous noterez aussi mon joli collier, que j'aime beaucoup parce que je viens de l'avoir dans le dernier event du jeu, qui était fait pour la White Day, justement. Parce que le jeu fait beaucoup d'events pour les events réels. Et donc voilà, je soigne dans cette tenue-là, donc en petite culotte, à peine masquée par ma jupe. Donc les gens aiment bien se faire soigner par moi, du coup je suis l'infirmière sexy. Donc voilà, j'aurais montré mes looks. Et je vais donc laisser la place maintenant à Karazu sur FF, enfin sur la démo d'FF 15, j'allais dire Versus encore. Pour moi, ce sera toujours Versus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais donc je vais arrêter le stream moi là et laisser la place à Kara pour qu'il puisse donc vous montrer la démo. Merci à tous ceux qui sont venus voir le stream du mariage. Merci à ceux qui re-regarderont le stream du mariage aussi. Alors, je sais que ceux qui sont venus au mariage en vrai dans le jeu, enfin en vrai dans le jeu, ça fait pas très logique comme phrase, c'est pas grave, ne regarderont probablement pas le restream, mais je le dis quand même. Thanks again for coming. Oui, je sais, j'ai un accent de merde en anglais, faites pas attention. Et voilà! Donc, je raccroche. Je raccroche, bien sûr. Je suis au téléphone. Alors, vous montrez, je suis une logique implacable. Donc voilà. Place à Karazu et la démo de FF15!